De retour à cette deuxième partie de la course, c'est voir Ricardo qui a un tour de retard. De retour 26e. L'URS, c'est vrai, il est au fond. Tour à faire. Tu y as 10e. Le niveau de carburant est impeccable, tu gères bien. Calme un temps, tu m'as dit. On n'a pas entendu, il y a des interférences. Tu es en première position, tu mènes la course. Et oui, c'est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 37. 7 secondes. Il oui. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 2 tours. 19 tours restants. Ok, 19 tours. Donc, passe. Non, aïe, pourquoi ça tourne pas? Donc, ouais, 7e tour sur un total de 44. Aujourd'hui, 18 tours à faire. Nous avons environ 19 tours de carburant. Plus qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. 18 tours environ. La fenêtre d'arrière stand s'ouvre dans le prochain tour. Prochain tour, Hamilton, il est là. Là, je regarde un peu. Dans les autres écuries là, pour voir quel pilote va rester premier pilote. Peut-être je regarde mes options pour la saison 3. Parce que je veux être pilote, j'hésite entre. J'ai comme 2-3 choix. J'hésite vraiment entre Alfa Romeo, McLaren ou Renault. Fait on verra ça rendu à la saison 3. On va commencer dans le premier nom. Camionnette de Rock Lagam Town. C'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 39,4 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 13 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Dernier tour à donner. 2 minutes. 0,4. C'est normal. Ah, c'est la grosse marque, ça veut plus tourner. Non, enfin. Norris, Huracan.
Oui, c'est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 40,7 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 13 tours. Non, ah, maintenant au pire. Le dernier tour a donné 2,0,4. Les Ruiz plongent dans la ligne des stands. Il est au stand. Donc là, il est aussitôt reparti, donc attention à la claire. Là, Hamilton a des pneus plus frais. Donc attention. Oh, attention. Oh, les pneus ont plus de grip pantoute. So, box, box, box. On est dopé. La gamme tente 2,54, bon arrêt. Pas, c'est juste un petit peu de musique qui a pété, mais sinon. Fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ses comme jusqu'au bout. Tu es en tête, premier, c'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière. Pas ça. 54,2 secondes. Donc 16 tours à faire. Plus que 16 tours. Ah, c'est 50 secondes, moi plus. Oh, on vient de passer Carlos Sainz. Non, il n'est pas Antonio Jonet. Est-ce que je peux améliorer 1,54? Attention, Daniel Ricciardo, ouais, c'est fait. Non, est-ce qu'on peut passer Kvyat? Oui, donc il y a un tour de retard. On améliore le premier secteur. Secondes en moins plus l'ouest. La clé à 4,56.
On se rattrape de Lando Norris. Tu es en première position, tu mènes la course. Lewis est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 45,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Il reste encore 15 tours. 15 tours à faire. Avec une Mercedes. Il va 1,53,044. Meilleur tour. Je m'approche de Sergio Perez, je crois. L'objectif Kimi Räikkönen. Passe à un régime moteur supérieur. Pas de sûr, là. Si y'a de quoi, je vais me mettre la médium. On vient de passer Kevin Magnussen. Tour à faire. J'envoie le DS. Oh oui, mais tasse-toi, Perret. Moi, c'est Strasbourg. Cinquante-six, huit en moins l'ouest. Et voilà le dernier secteur. On va tirer parti de l'énergie générée. Augmente l'utilisation de l'ERS. Pas live. C'est derrière toi.
voir. Ils ont de nouvelles comme médium. Ils chaussent des comme fusées depuis 4 tours. Le dernier tour a donné 2 minutes. 0,2. Depuis 4 tours. Intéressant. Tour, let's go, on pose. Je vais faire même en tête. Nous avons environ 12 tours de carburant. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire en Belgique? C'est 1 minute 3 de moins l'OS. Oh oh, à la date de Belgique. Non, quitte. Quatrième tour, 11 tours à faire. Allemand et l'OSC. Un écart assez fiable. Si tu ne diminues pas l'utilisation de l'ERS, tu risques d'atteindre ta limite de déploiement. Good. Et voilà, c'est 1,52,906. Gasly qui a un tour de retard. Oh, une petite erreur. Une minute 12 dans le moyeu. Avec 10 tours à faire. C'est ce tour. Oh, des parages chez les deux Racing Point. Est-ce que Norris peut rattraper et puis Magnussen, est-ce qu'il peut finir 5e? On est collé à Perez. Plus.
Ok, parce que j'en ai plus. Maintenant il est à quoi? 63%. Ok. Bon, faut que je calcule. Oh, je vais prendre mon amélioration, fiabilité pour le moteur. C'est une 19 en moelleuse. C'est Lewis qui est derrière. Ils ont de nouvelles comme médium. Ils chaussent des comme usés depuis 7 tours. Le dernier tour a donné 2-0,3. Tu es en première position, tu mènes la course. Lewis est derrière toi. Ils ont de nouvelles comme médium. Fin de notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses comme jusqu'au bout. 9 tours restants. 9 tours à faire. Aujourd'hui, c'est grave, Vettel 4e. On a un excès de carburant de plus 1. La consommation de carburant est de plus 1. Je suis pas assez au-dessus, moi. Le DRS. Je vais laisser charger un peu. Oh, j'ai déménagé mon avant. Oh, c'est juste le flap vertical. Exit. C'est good. Il y a rien. Avec Uto là, sans rien d'aller au puits. URSC M23. Il y a genre 7 tours ou 8 tours, mais en première position, tu mènes la course. C'est plus... Oui, c'est derrière toi. Ils ont de nouvelles comme médium. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. 7 tours restants. 7 tours. Très très fier, il reste plus beaucoup de tours de course. Car... Quoi, t'en as deux, what the f...
Une 24. Oh, maintenant se rapproche un peu, mais pas assez. Se rapproche pas suffisamment. Je vais voir, on rattrape une Williams. C'est une 24. Maintenant, entre moi et Lewis, ça bouge pas. Une 24, donc Hamilton se rapproche. Les gars, il reste juste 6 tours à faire. Hamilton, ce qui est se rapproche. Maintenant, ce qui est 18e. Augmente l'utilisation de l'ERS, c'est le moment d'utiliser ce surplus. Oh, pas sûr là. Pas ce que je veux savoir. Pas ce que je veux savoir, man. C'est ça. Donc ça, quand il est trop sur l'angle. Est-ce qu'on peut rattraper Lewis? Pas Lewis, mais Charles Leclerc qui est avec un tour de retard. J'ai la pleine puissance du moteur. Voyons voir ce que ça peut donner avec 5 tours à faire. Oui, c'est mauve. Bon, on a mauve. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. 5 tours de carburant. Non, hey, wow, ça c'est chiant là. C'est chiant, attends plus loin. Là, ça tombe. Que la Claire est sur un podium, mais il y a un tour de retard. Après... Oh, c'est Russell, 7e. Kubica, Ah, il est long. Ah, c'est fait. On a passé Russell à la 7ème place. C'est un jeu final tour. Eh! What? Four! Oh man, what the?
Allume le cocombre. Ah, c'est une 51 868. 4 tours à faire. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. On a tout intérêt à chausser les slicks. Je pense que je vais le faire. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. 3 tours. Très tôt. Tiens, maintenant, on a presque un tour de retard. C'est Lewis qui est derrière. Vous avez un tour d'écart. Ils ont de nouvelles comme médium. Ils chaussent des comme usés depuis 12 tours. Le dernier tour a donné 1,59,2. Vraiment, mais ma gamme t'en est usée. C'est 1 minute 34. C'est fiable au bout. Si je tombe en panne d'essence, ça va dans le dernier tour. Le moteur est à 64% d'usure. La batterie est faible, il faut réduire l'utilisation de l'ERS. L'éclair en laissant. Tour de retard. Là j'ai plus. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Mais j'ai plus de guérir par l'arrière de lui. Mes pneus sont sales. Et puis ça renommé. My god. Plus que 3 tours à faire. Oh le clair. Troisième. Tu es en tête, premier. Lewis est derrière toi. Ils ont de nouvelles gommes médium. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ces gommes. Plus que 3 tours. Bitch. Gueulage comme. Plus là mon homme, je suis plus là, je sais plus qu'est-ce que je dis. C'est plutôt à quoi que je pense, mais je sais qu'il me reste 3 tours. Aïe aïe. Trois tours, 1 minute 38 d'avance sur l'OS. Hamilton. Trois tours à faire. Est-ce que l'écart entre moi et Amin Tern, est-ce que elle est stable pour l'instant? Il y a comme beaucoup de retardateurs devant le bus. Deux tours à faire. 1 minute 30, j'ai perdu 8 secondes. Mais je m'en fous. Vu que j'ai. Aucun risque de pluie à signaler. Non, c'est pour ça que je vais faire. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Oh. Oh. Je prends 3 secondes de pénalité, mais je suis chier solide.
Oh mais on a plus de grip. C'est un 33. C'est Albon qui a saisi. Pardon. Attention Leclerc. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. C'est. Est-ce qu'on peut finir la course pareil? Et un pilote dans les puits. Est-ce que c'est un abandon ou seulement un changement de pneu pour Joe Nadi? Est-ce que c'est un changement de pneu de pénalité? Changement de pneu. Il me semble long comme arrêt. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Semble, d'après moi, il y a un changement de long avec ça. Ouais, dernier tour. Hein. Un tour d'honneur. Les gars, pour tous ceux qui sont en avant, donc compléter ce tour là. Bon, que le clan on va laisser à la 44 là. Pose-tu, Charles? Ouais, let's go. Ouais, je commence pas là. Je suis un pilote francophone assez smart. Fait que roule. Rouge, je te laisse le tour. Je laisse un pareil. Bon, à maintenant mon dernier tour, Leclerc va compléter. Un dernier tour. Bon, je laisse ça, on confirme. Bon, ce sera une victoire avec plus d'essence. P1, just P1. Nice work. Nice weekend. Yes. Oh, what a race, guys. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Petit podium. Deux pilotes francophones sur le podium. Et avec un pilote britannique. Oh. Des pilotes. Peltier renforce sa place de leader au championnat. Oui. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Peltier. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. What's point? C'est pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1 et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Donc Gasly est passé devant Verstappen.
Moi, je suis rendu à 338 points. Quel dernier. Et puis, Kvyat te passe devant Ricardo. Et au sujet des constructeurs, donc, Haas passe devant Alfa Romeo. Voici l'état fort. Tac, le drette là qui m'a poussé hors piste. Oh le salaud. J'ai fait très... Oh, dites ça très vite. Ah, très bonne journée. Il était possible de vous battre aujourd'hui. Oh, la réputation chez Mercedes. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. C'est facile. Donc, châssis le plus possible. Hein? Quoi tu parles? Quoi tu parles toi? Ma stratégie de gaz c'était bien correct. C'était joué à pas grand chose entre vous et votre adversaire direct. Vous vous entendez bien avec lui? Hein? De quoi mes enfants? Je suis pas contre. Merci pour votre temps. A tes sous le tout. Je calcule les gars, Italie, Singapour, Russie, Japon, Mexique, États-Unis, Brésil et Abu Dhabi, donc 8. Je pourrais chercher encore 200 points. Les petits face-à-face contre Verstappen, on le gagne. Quant à Hamilton, on gagne 20, 13 et puis sur Verstappen. 5-0. Le 481 points pour un total de 2902 points de ressources. On va chercher le maximum et puis ça, ça monte, ça avance. Là, on a des épreuves rétro. Tes deux rivaux vont participer à la même épreuve historique. Si tu les affrontes,
Ce sera l'occasion de faire parler de toi et d'attirer les fans. Ok, mais ça, on va attendre un peu avant de le faire et on va se prendre une petite amélioration du bloc moteur. Donc, j'espère que vous avez aimé la course. On se revoit pour le grip qui est étalé. Ciao!